Les amis, du coup, alors on est de retour. Et pour l'instant, les amis, c'est clairement une domination de la part de Win for the Win. C'est clairement une domination de la part de Win for the Win. Là, Oliver qui n'a pas réussi à revenir. Désolé pour tous les petits problèmes techniques, mais là, on a dû aller rechercher des piles pour le micro. On a dû se relog sur le Star GG. Il sait n'importe quoi ce qui se passe. C'est n'importe quoi. En tout cas, pour l'instant, ça se décante plutôt bien pour le tournoi. Win for the Win qui domine très largement pour le moment. Il y a un petit problème là, on a un Kazuya invisible. On a une... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a des problèmes techniques mais dans tous les sens. Il y a rien qui va. C'est les aléas du direct, mais là c'est plus des aléas, c'est des supernovas. Après, je me dis que c'est peut-être le skin qui fait planter. Kazuya Mishima wins. Ça a été très drôle qu'ils mettent un perso de Mortal Kombat dans Smash. Ça a été très drôle. J'aurais bien vu ça avec un petit Noob Saibot ou un Sub-Zero. Sub-Zero et Scorpion, c'est deux gameplays qui peuvent parfaitement s'intégrer dans Smash, hein, je pense. Hein. Vraiment. Bon, après, je suis peut-être le seul à le penser. Hein. Dites-moi sur le chat. Mais on a eu Terry, on a eu Kazuya, pourquoi pas Mortal Kombat? En tout cas, pour l'instant, petite phase de ledge trap de la part de Oliver. Attention tout de même à Kazuya, on sait que ça peut prendre des stocks bien et rapidement. Attention, il a rebondi sur sa bombe, du coup il s'est fait punish ici. Le Rage Drive qui connecte en bas. Là, il connecte avec un Rage Drive. Un Rage Drive, Oliver est mort. Là, je vous le dis, hein, un Rage Drive, Oliver, il est mort. Parce que ça prend des stocks. Mais de façon débile, ce truc. Regardez, il est mort. Oh non. Ah non, il venait de le perdre. Il venait de perdre le Rage Heart. Bon bah, dommage. Dommage pour Win for the Win qui du coup se retrouve en mauvaise posture. Et il se fait récupérer par cette petite explosion de bombe. Et Oliver qui joue très très bien avec ses petites bombes, les petits smash qui sont bien positionnés. Attention tout de même à la bombe qui pour l'instant donne beaucoup de fil à retordre au Kazuya.
Hop, Gate of Hell. Oh bon, il l'enverra pas assez loin malheureusement pour le mettre en situation difficile, mais c'est quand même quelques petits pourcents grattés. Bien vu ici. Bon, ça remonte quand même. Et le B en out of shield qui fait super mal. Ah, il a pas, ça se voit qu'il a pas regardé la FD sur Link. Hein. D'ailleurs, je peux vous dire que dans les full call, dans les deux prochains AFD, l'un des deux c'est sur Roy. Je vous le dis. Je vous le dis, voilà, j'ai eu des infos. Dans les prochains AFD, vous aurez un AFD sur Roy dans une ou deux semaines, je vous le dis. J'ai eu les infos de notre ami Azif. Oh non, pas mon Roy. Allez bien manger des fraises, ceux qui jouent Roy. Vraiment. Là, je suis content, là. Oh, d'accord. Le smash qui tue. Alors que Kazuya, c'est censé être bien lourd. Bah ok, Oliver qui égalise. Là, il y avait vraiment no match. Là, la game était vraiment à sens unique. S'est fait déboîter. Oliver qui a réussi à bien s'adapter au Kazuya. Au démon Kazuya. Et je crois qu'ils sont repartis sur la même map. Hein. Ils ont fait un full. Ils ont fait full DF. Après, Oliver, je sais pas s'il fait full DF en mode gentleman. Mais c'est pas une bonne idée contre Kazuya. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée contre Kazuya. En tout cas, pour l'instant, les petites phases de ledge trap, ok, ça gratte les petits pourcentages. Link, vraiment, c'est abusé à quel point son épée fait super mal. Oh, il a kippé avec sa bombe. Ok, non, ça va pas tuer, mais c'était pas loin. Ah ouais, y'a quoi, Kain? Gates of Hell, il est mort. Et voilà, le Gates of Hell qui éjecte bien à 45 degrés hein, quand t'es au bord du terrain. Et coucou Kane. Hop, il tech sur le stage. Et non, il tech pas, malheureusement. Et non, ça tue pas. Kazuya est bien assez lourd pour résister à ça. Le petit Rage Heart qui est enclenché. Mais là, ça se fait. Il a déjà perdu le Rage Heart. Hein. C'est abusé comment Oliver il enchaîne les phases. Il enchaîne les phases de ledge trap et de. Et de combo parce que. Oh, il est mort. Il est mort sur le. Ah là, c'est, là en fait, faut un truc qui est horrible pour Win for the Win, mais c'est qu'il doit absolument, mais vraiment absolument garder un œil sur cette foutue bombe. Ok, bon, il aura pas fait de Gates of Hell ici, ça aurait pu sauver. Oh non, le up smash qui connectera pas malheureusement. En tout cas, pour l'instant, ouais, compliqué pour Win for the Win. Hein, y a... Ah, mais non, il y avait une stock d'écart. Je te dis de la merde. Non, bon, au final, c'est très très even. Ça va aller. Mais non, au final, on est très très even. Mais ouais, par contre, les combos. Wow, Dragon Ball. Et voilà, c'est ça de jouer des persos au gameplay particulier. Hein, ça crée des interactions. Chelou, disons-le, hein, ça crée clairement des interactions cheloues. Et Win for the Win qui du coup là se retrouve à Evenstock alors qu'il avait une très légère avance au pourcentage. Mais bon, on connaît Kazuya Mishima, ça fait beaucoup de dégâts. Faut pas trop faire attention à moi, je suis déglingué. Ah t'es déglingué, t'es fatigué. Oh là là, la portée de cette get-up attack par contre c'est vraiment abusé. Là Win for the Win, faut qu'il trouve une phase s'il veut réussir parce que là le Link il va gratter les pourcentages. Le Rage Heart qui est présent, est-ce que ça va partir sur un Rage Drive? Je ne sais pas mais pour l'instant ça, c'est une situation plutôt compliquée parce que là le Kazuya il est dans une grosse situation de boost et le Rage Heart qui chope et qui connecte l'armor qui n'aura pas été brisée et c'est Kazuya Mishima qui l'emporte.
Je fais 8 heures de cours aujourd'hui en terminant à hauteur. Rip Kane. En tout cas, 2-1 pour Win for the Win qui s'en sort avec.